Bonjour, je suis Valérie Barki, professeure d'éveil musical au Conservatoire des Portes de l'Essonne, et je vous propose de regarder la vidéo qui suit. Le cours d'éveil musical consiste en des activités d'éveil des sens artistiques liées à l'expression corporelle et à la musique. Le mouvement, s'exprimer avec son corps. Les enfants expérimentent la musique et la danse. L'écoute. Les enfants découvrent les timbres des instruments des trois familles. Cordes, vent, percussions. Ils découvrent des rythmes et en expérimentent avec des percussions ou sur leur propre corps. C'est pas difficile, c'est comme ça. Tcha, pom, pom, tcha, pom, pom, tcha. Ils développent leur curiosité en découvrant des musiques variées à travers le monde et au travers de l'histoire. Troisième axe, le chant. Il permet d'affiner l'écoute, de prendre des repères sensoriels, de faire travailler sa mémorisation. Le répertoire est souvent thématique. Les saisons, les animaux. J'ai un petit chat, 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 petit comme ça, ça, ça. Je l'appelle Orange, je ne sais pourquoi. Jamais il ne mange, ni sourit, ni rat. C'est un chat étrange, aime le nougat et le chocolat. Quatrième et dernier axe, les enfants pratiquent des instruments de musique, des percussions, frapper, secouer ou frotter. Une paire de maracas exotiques. Un long güiro, un tambourin. La flûte à coulisses. Enfin, les cloches accordées et les métallophones, qui permettent d'aborder la gamme de Do majeur, prendre des repères auditifs visuels et kinesthésiques, pour aborder les intonations et les intervalles. Et puis bien sûr, le cours d'éveil, c'est le plaisir de la pratique collective et du partage devant un public.